Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel et dernier, peut-être, épisode du plus des enfants parfaits, des ados parfaits. On était toujours avec John, un vampire qui... Ah oui, c'est vrai qu'on galérait à avoir... On avait un peu galéré. À avoir des... On avait perdu pas mal de gens. Il va faire quelques petites séances de trucs de jeu en direct. Voilà. Il va streamer toute la night. Hop! C'est à chaque fois, il gagne 1200 abos, donc on va le faire travailler un peu comme ça. Et nos petits enfants dorment. 2h30 du matin en même temps. J'espère bien. Enfin, nos petits enfants. Qui vont bientôt grandir. Je crois que c'est Charlotte qui est la première. Et bah voilà. Je pense qu'aujourd'hui. Enfin, je suis obligée de les faire grandir en même temps. Et elle, c'est aujourd'hui. Donc bah voilà. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier épisode. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop triste et puis je croise très fort les doigts pour que il y en a aucun qui repère un de ces trucs là. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé les âges. Là, on est OK. Là, on est OK. On est toujours OK. On est parfait. On est parfait. On est parfait. Et on est parfait. Oh putain. Ça sent bon tout ça, moi je vous le dis, ça sent très très bon. On est parti pour finir le challenge aujourd'hui et d'avoir réussi. Donc on croise les doigts pour que rien ne change jusqu'à la fin. Bon, j'ai capté pourquoi ils pleuraient tous un peu tous dans leur sommeil là. C'est parce que le jour férié était épouvantable. C'est vrai qu'on l'a pas fêté parce qu'on n'avait pas eu le temps du tout de faire quoi que ce soit. Mais ouais, pas de casser les couilles, hein. Oh, dis donc, merde, hein. Bon, lui, tu vas streamer encore un peu jusqu'à 6 heures. Et regardez, on est remonté là, on est presque bien. Parce qu'on avait plus de 100 000 et on les a tous perdus, hein. La journée du jargon de pirate. Ok. Et ça y est, on a réatteint les 100 000 abos. Ouais. Alors attends, fais gaffe toi. Ouais, va manger. Bah va aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux m'emmerder? Toi aussi, écoute, pleure un coup là, tu me saoules là. Pleurer pour un jour férié, non mais meuf. Oh non. Se soulager par deux supports, ok. Non mais je veux pas! Non! C'est trop tard! Ah! J'en ai marre! Ah non, mais sérieux! C'est chiant! Oh bah voilà. Ah non mais là ça me pète les noix. Tu vas manger un truc et puis tu vas refaire tes devoirs. Allez hop. Casse. Je préfère vraiment diminuer que la responsabilité parce qu'il n'y a que ça qu'on peut récupérer facilement avec des devoirs. Mais... Tu vas jouer en direct. Ah, c'est pas incroyable. Rêve. Rêve, tu rêves, tu m'énerves. On est dépit de la vidéo. Eh, non, toi tu vas juste. Ok. Je vous surveille, hein, bande de chiens. Hein. Toi, mais va faire ta vie aussi. Toi, tu vas arrêter ton stream, tu vas en commencer à nouveau. Voilà, 1200. Très bien. Ça va être chiant combien de temps ça? 7 heures? Oh là là, c'est pas possible.
Au niveau 7 de compétences pour John. 1200, c'est bien. Tu vas, s'il te plaît. Publie un statut. Et mettre à jour. Bon, je sais pas si c'est la même chose. Bon. On va voir, hein. Tu sais, on est loin des 100, des 1 million, là. Très, très, très loin. Ah, bah voilà, 10 000! Nickel. Bon, qu'est-ce qu'ils font les autres? Toi, t'as faim. Bah, tu manges. Tu sais pas servir le petit déjeuner. Vas-y, fais une salade de fruits, ça t'occupera. Tire aux toilettes. Vingt-cinq nouveaux abonnés. Wouh! Tu vas rejouer un truc en direct. Ça va mieux, hein? Toi, tu as besoin de social. Bah, tu vas venir parler à tes frères. Tu vas échanger des histoires de pirates. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as mis comme tenue, toi? Je t'avais mis ça comme tenue? M'en souviens pas. Partager des secrets. Échanger des histoires de pirates. Complimenter la fière allure. Raconter une histoire d'océan. On est bien, on est bien. Allez, tu vas arrêter de jouer. Tu vas aller pleurer. 1200 abos, on est remonté à 115 000. Bon, parfait. Je vous jure, ils vont pleurer toute la light. Toute la night. Non, toute la night. Non. Bon, alors, toi, tu fais tes devoirs hein, pour regagner ta responsabilité. Je te le dis, moi. Est-ce que tu peux lui donner. Parce qu'ils n'ont pas validé. Erg! Erg! Effectivement, ils font bien, ils parlent bien comme des pirates. Voilà, on a regagné notre point de responsabilité. Alléluia! Alors, papa, il a besoin de discuter. Raconter une histoire d'océan. Complimenter la fière allure. Et tu vas échanger les histoires de pirates. Comme ça va te remonter un peu le moral. Après, tu iras prendre une douche, s'asperger d'eau de mer. Oh, il est triste, il m'énerve. Voilà, bon. Logiquement, ça va, tout le monde va bien. Arrgh! Ouais, toi, tu iras pisser. Toi aussi, c'est bien. Toi, t'es nickel. Louise. Bon, elle a réussi. Elle a réussi. Elle a pas vraiment réussi, mais on va la faire réussir. Hop. Je surtout que je dois surveiller que personne ne lui parle, parce que sinon, on va pas le faire. Lui, pas encore, mais il va le faire. Raconter une histoire d'océan. Ah putain. Je vous dis, faut être au taquet. Ah, c'est assez relou quand même. Hein. Demandez comment le vent souffle aujourd'hui. Lol. Ah non, pas à se plaindre. Tu vas. T'es content. Raconter une histoire d'océan, voilà. J'aime bien comment il parle, c'est assez sympa. Oh! Caleb? Ah oui, Caleb! Ah bah, cool! Caleb avec son petit parapluie pour pas mourir. Non, non, c'est vrai qu'il a, il a la capacité de. Ça va mieux? Oh bah, ça va mieux. Attends, si t'es inspiré, tu vas nous faire un truc réseau social. Je vais lancer un mème. Ça va peut-être pas forcément fonctionner, mais.
Bon, alors j'ai un prévu aujourd'hui, outre les anniversaires, évidemment. Tiens, toi, tu vas y nettoyer. Briquer le pont. Excellent. C'est que on est samedi, donc ça serait un bon jour peut-être pour que John et comment elle s'appelle? Lilith passe à l'étape supérieure. Non, on s'en fout, on va pas passer. On est au printemps, du 14 sur 14. Demain, c'est l'été. D'accord. Bon, au moins. En tout cas, la personne. Moi, je suis tellement au taquet, en fait, pour voir que personne ne me casse les couilles à demander un conseil à John, quoi. Parce que là. Zéro abonné. Putain, mais c'est chiant. Faut que tu parles. Faut que tu parles, faut que tu parles, faut que tu parles avec tes enfants. Histoire de pirate. Partager des idées. Parler des rêves. Éliminer la journée, et je pense que c'est bien comme ça. Complimenter la fière allure. Voilà, logiquement, c'est bon là. Personne ne va lui demander de conseil, hein. Je claquais, je veille au grain, comme on dit. Comme c'est pas mignon. Non mais voyez, je lâche 3 secondes des yeux le jeu. Non, je sais pas mignon. J'ai demandé aux filles de John de passer. Bon, Lilith, elle peut pas parce que c'est une vampire. Caleb, il est là, mais. Le petit machin! Roulé dans la farine. Et une journée. Oh là, c'est un drame. Oh là, les deux petites fillettes, hein! Il a quand même 10 enfants maintenant, hein, je vous ferai dire. Hein. Voilà, c'est trop mignon. Bon, on va essayer d'organiser un petit mariage. Ah ben non, parce qu'on a déjà la journée de pirate. Mais si je l'arrête. Tu l'as pas validé, toi? Tu vas la valider tout de suite, ta journée du pirate. Michael. Chanter une chanson de jour férié. Et raconter une histoire d'océan. Mais lui non plus, hein? Partager des secrets. Oula! Ok. Oh, attention! Mais arrête! Tu t'en. Tu. Je me. Je m'en fous. Tu t'en vas loin. Voilà, tu vas là-bas. Pourquoi elle est toute nue, elle? Oh my god! Faire des réflexions. Et non, mais tu l'habilles. Changer de tenue, tu mais tu l'habilles, hein. Oui, je vais lui mettre ça. Mais lol, quoi, la petite, elle se balade toute nue. Ah, c'est bon. Hop là, c'est bon, elle est habillée pour l'hiver. Toi, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu m'énerves, hein. Va courir. Non, mais je peux pas, je suis obligée d'être au taquet comme ça. Est-ce que tu peux lui demander de boire du plasma, de demander l'autorisation de boire. Allez, on va voir si elle est bonne. Elle est morte de rire. Juste, on va vérifier. Valider, valider, valider. Bien sûr, John, voici mon coup. Bah, cool. Lui, pas encore trop validé. Ben, c'est pas grave, tu vas parler à ta sœur. Voilà, tu vas faire ça. Elle, c'est pas hyper validé. Mais comment il boit, non? C'est dans le cou, non? Hein, je sais pas. Validé et validé, bon.
Je m'y connais en plasma et j'apprécie particulièrement cette boisson extraordinaire qu'elle est là. Elle est sympa, sa fille! Danse, ouais. Tant qu'elle, elle nous casse pas les burnes. Bon, eh ben, on est bien. On va essayer de faire le mariage. Je vais conclure la journée. Réussite, 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 réussite. Et voilà, c'est parfait. Lui est en tous ses états. Et on va organiser un événement social. J'espère que ça va fonctionner. Oui, si je mets pas play, je vais avoir du mal, hein. Il y a beaucoup que ça va être compliqué. Hein, tu vois? Nous allons nous marier. Pour l'instant, ça fonctionne. Requis en invité. Oh, bah quand même, hein, on va inviter pas mal de monde. Voilà, ses enfants aussi, ça pourrait le faire. Sonia Gothique. Ouais, ah, on va faire ça. On va prendre un traiteur. Ah oui, Louise, elle pourrait être embauchée. Un mixologue. Hop, et musicien. On en prend un. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller dans un parc. Bar jus de crotale. Jus de cro. Oui, non. Bah là où ils font. Je sais pas s'il y a des trucs pour le mariage. Ah, voilà. Là, ici, oui. Ici, il y a ce qu'il faut. Il y a des trucs, je sais pas. Mais. Non, on va aller à. Ici. Allez, c'est y part. Alors. La question est. Est-ce que. Oula, dis donc. Il y a des looks. Il est là, lui. Mais est-ce que. Lilith. Elle sera là, elle. Sachant qu'en plus qu'il fait. Jour. Donc il fait plein jour pour les vampires c'est pas l'idéal hein. Mais oui je sais j'ai pas mis de points encore de pouvoir et oui elle est là elle crame oh la belle Lilith donner les conseils d'éducation. Tu vas lui faire un bisou déjà pour commencer, hein? Mais dis donc, Lilith, tu as la même robe que Marwa? Pourtant, on n'est pas dans la même partie. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens, toi? Oh. Ah, ils vont déjà au lit. Ils vont nous refaire un enfant. Quand même! Discuter des saveurs du plasma. Exprimer son affection, illuminer la journée, tout ça quoi. Et embrasser. Ouh, elle est bien. Hein? Mais c'est vrai que comme je les avais relookés, leur tenue et tout, et ben là on va les voir bien habillés. Hein? Ah pas tous, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle fait elle? D'accord. Lui, il est bien habillé. Signe gothique, elle a sorti la petite robe aussi. Oh, la choupette! Faut faire connaissance avec votre petite sœur. Parce que vous la connaissez pas tous, hein. Voilà, vous pouvez y aller. Hop. Et ça, c'est vous. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Faire connaissance. Voilà. La choupette, la toute mignonne. Bon, la robe de Lilith a changé parce que je pense qu'ils avaient effectivement mis une robe par défaut pour le mariage, mais comme je lui ai demandé de mettre sa tenue habillée et en fait habillée faite, ça ne correspond pas du tout avec la robe de mariée du départ. Je ne sais point. Ils peuvent pas encore se marier vu qu'il fait pas encore nuit.
On va remercier un invité de sa venue quand même. Bah oui, allez, on va quand même bosser un petit peu là-dessus. On va dire merci à Sonia. Oh là là. Petite conne là. On va t'engueuler, toi. Éducation. Ferme. Pas de mettre le bazar. Allez. Ah, merci d'être là. Arrête! Toi, tu vas te changer aussi quand même. Tu vas mettre ta tenue. Changer de tenue. Hop. Hop. Toi, tu t'es pas changé non plus. Ça va pas cette histoire, les gens. Lui, j'ai changé. Toi, t'es pas changé non plus. Touk, touk, touk. Changer de tenue. Hop. Je me souviens plus ce que j'ai mis, hein. Ah bah elle, elle est... Ah ouais, oui, elle est comme ça. Et elle non plus, elle n'est pas changée. Eh ben, elle va se changer tout de suite. Voilà, tout le monde sera bien habillé. Et John aussi, d'ailleurs, j'ai oublié. Et John, tenue changée de tenue. Tac, tac. Les fiancés flirtent avec l'un l'autre. Ouais. Là, ça va être facile. Oh, elle a chaud, hein? Est-ce qu'il fait chaud? Ah oui, il fait chaud. Voilà, ça va nous valider. Hop! Oh là! C'est quoi cette tenue? Je lui ai mis ça en tenue? Mais c'est pas possible! Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Je vais mettre ça, hein. Ah oui, ça va être l'anniversaire des gosses, ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Mal de tête. Il a ses couilles un peu, hein? Bon, allez. Ça y est, il fait nuit. On va pouvoir aller se marier. Là, 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 l'air. On va tous aller ici. Les enfants, les enfants, les enfants. Là, 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 là. Ah. Allez, on se dépêche. La petite... Regardez-moi ça, le petit machin là. Qui arrive tout seul et tout. Ah, c'est trop mignon. Bon. Tu peux jouer? Non, c'est pas. Alors non, mais là, ça va me gaver. Voilà. Et vous vous rasseyez tous. À chaque fois que je fais un mariage, moi, ça part en cacahuète, hein. Tu t'assois. Toi, tu t'assois. Voilà. Ouh, zen. Tu vas pas parler à la gosse. Tu t'assois. Prendre des chips. Non. Toi. Non. Vous avez faim, vous allez attendre, non? Va t'asseoir. Ça y est! It is time, baby! We're gonna marry! We're gonna marry! Voilà! Ils sont tous les deux malades, c'est génial! C'est ça votre mariage, les enfants? J'ai vu mieux quand même, hein. Par une chaude nuit d'été, de printemps, nous allons nous marier. You are the only one? Ok. Je suis en train de tout rater. Bah oui, parce que mon jeu, il veut pas. Voilà. C'est pas mignon. Bah oui, bug comme ça. Ah bah quand même.
Voilà. C'est magnifique, hein? Il regarde même pas John, il s'en fout. Ouais, c'est beau. Bon bah c'était super, le mariage est fait, il faut manger de la nourriture et couper la première tranche, même qu'Alebout est venu finalement. Où est le gâteau? Il y a des chips partout. Où est notre gâteau? Oh là 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 là. La catastrophe. Elle est en train de le faire? On sait pas. Ouais, regardez comme c'est bio. Et voilà. C'est fait. John et Lilith sont mariés. Mais il est où le gâteau? Mais pourquoi ça fonctionne pas? Non mais. Hey, j'en peux plus moi. J'ai déjà fait le mariage de Marois ici, pareil, le gâteau, le traiteur ne le faisait pas. Bon, par contre, aller manger ailleurs, non, peut-être? Tu t'assois là. Toi, tu t'assois là. Bon, c'est pas très convivial, je vous l'avoue. Bon. Ils sont tous comme des cons dans la cuisine à faire la queue leu-leu. Ah la queue leu-leu. Ah la queue leu-leu. Ah, tout le monde s'éclate. Ah la queue leu-leu. Avec l'assiette plate. Ah la queue leu-leu. Je dois me pisser dessus. Ah la queue leu-leu. Et j'arrive pas à me retenir parce que je suis une grosse dégueu. Ouais. Non mais c'est une catastrophe sans fin. J'en ai marre. Mes mariages sont tous pourris. Pourris, pourris. Regardez-moi, il y a 40 000 chips! Mais quoi? Mais c'est nawak! Tu vas manger deux bols de chips. Lui est parti dormir. Non mais au secours. Ah! Attendez. Coupez la peste. Ça y est, on va enfin faire le truc du gâteau. Et s'il y en a un dans le lot qui pouvait. Voilà. Refaire un gâteau de au chocolat. Par exemple, pour refaire les anniversaires. C'est le bordel. Parce que elle doit clignoter, ouais. Non, tu ne demandes aucun conseil! Tu fais chier ton. Tu vas pisser! Oh meuf! Non mais ça nous a coûté un bras. Tout ça pour... Mais toi, va pisser aussi, hein. Oh, c'est d'un compliqué. Ils sont où les deux? Bon, d'accord, lui est en train de bouffer son gâteau ici. C'est tellement horrible ce mariage, mais pourquoi à chaque fois? Je vous assure, hein, moi quand j'ai fait des mariages dans mon legacy privé, tout ça, ça a toujours été comme sur des roulettes, hein. Mais là, je ne sais plus les faire. C'est une cata. Caleb, il se met à dormir. Mais what? Non, pas au revoir. Mais non. Oh là là, mais quelle cata, je vous raconte pas, je vous raconte pas. Lui, il a pas encore fait de gâteau, mais ça arrive. Voilà. Tu poses le gâteau. Pose le gâteau. Ok, bougie. Bougie. Bougie, s'il te plaît. Mais mêlée. Il n'a pas mis les bougies. T'as pas mis les bougies? Ah, si, ça y est, elles ont popé toutes seules. Ok. Alors, toi, tu viens fêter. Souffle tes bougies. Allez, là, c'est bon, tout le monde vient. Ça va être le moment où tout le monde grandit. C'est un peu le nawak. Je suis complètement d'accord avec vous
Vous allez dire, bah oui, mais c'est nul. Bah oui, mais je suis d'accord, mais vous voyez bien que j'ai pas trop d'autres choix. Il y a la première qui fête son anniversaire, tout le monde doit vieillir, ils sont tous nés en même temps. Je tiens à vous signaler que John, à l'époque, quand il a eu ses sept enfants en même temps, il s'est passé une nuit très bizarre. Il a rencontré sept femmes. Ah, disons que c'était une semaine, on va dire, pas une soirée. C'était une semaine très bizarre et effectivement, ils sont tous, toutes ces filles sont tombées enceintes en même temps. Elle est bien élevée, responsable, contrôle des émotions, compatissante et médiatrice. Et un génie, on s'en fiche. Oui! On est débarrassé! Hop, bougie d'anniversaire. Et une! Deux moins! Mets les bougies. Ok! À qui le tour? À qui le tour? Qui doit... zéro. Allez, toi, hop. Soufflez les bougies. Je vérifie, tout est valide aussi. Et hop là! Ça en fait deux, les enfants. Il est bien élevé, responsable, contrôle des émotions, compatissant et médiateur. Tu vas être romantique. Et tu vas me mettre les bougies d'anniversaire tout de suite, s'il vous plaît, monsieur. Garbé! Allez, bougie! Ok, ensuite, toi c'est quoi? C'est 1. Toi, c'est 0. C'est ton tour. Hop! Arrête avec tes chips. Tu viens tout de suite. Ok! Wouhou! Et vroom! Ça en fait 3. 3 enfants, 3 jeunes adultes. Bien élevés responsables, contrôle des émotions, compatissants, médiateurs. Un petit son chaud. Et tu vas remettre des bougies d'anniversaire. Oh, tout de suite, immédiatement. Voilà, il est content. Ensuite, qui doit fêter son anniversaire? Elle, c'est 1, elle, c'est 0. Donc, c'est elle maintenant de souffler les bougies. Allez, go, 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 my girl, go! Oh, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. J'ai envie d'y aller, bordel! Pourquoi? Mais pourquoi ça? Pourquoi? 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 Je m'en fous, putain de ta mère! Foiré de ton cul! Putain de bâtard de mes couilles de merde! Hein, je m'en fous, tu vas pas dormir! J'en ai marre des Sims! Et la connasse. Toi aussi. Vous parlez à personne! Petit bâtard de mec! Et toi, je t'ai dit d'aller insulter ton frère! Bâtard! Alors. Non, mais ça va pas marcher. Et avant que vous parliez entre deux, les putes là. Ah, je suis vénère là, ça y est. Tu vas souffler tes bougies, connasse. Déverte-toi! Est-ce que tu peux pas t'excuser? Ouais, non, mais là, je suis sous les 1, 2, 3, 4, 5. Pff, non, pas morose. La merde, morose.
Je vous ai dit, franchement, ça me pète les noix. Mais pourquoi il peut passer? J'en ai marre! Elle est où la dernière, la connasse, là? Celle-là? Ici. Ah non, mais j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce qu'il a eu besoin d'aller parler à je sais pas qui? C'est le seul, quoi! Putain! Mais ça me pète les couilles! Oh, je suis vulgaire, mais j'en ai rien à secouer. Là, je suis trop à fond. Mais je comprends pas, j'ai pas l'interaction. Là, ça me pète les couilles, putain. Ils doivent tous vieillir en même temps. Ouais, bah, tant mieux pour elle. Attendez. Je sais pas, moi, à la bibliothèque, allez, me faire foutre. Il y en a pas un hein, qui peut lui apprendre, du coup. Parce que des fois, on peut lui apprendre. Genre, voilà, prendre la responsabilité. Non, non, mais là, je suis écœurée, quoi. Le pire, c'est que j'y ai pensé à ce scénario, genre, ouais, la dernière seconde, t'as ça et tout, et tu peux pas y remédier. Bah ouais, bah voilà, ouais, j'en ai plein la gueule, quoi. Tu peux que apprendre la responsabilité, t'as tout ça. Et tu peux pas lui apprendre. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Parce que lui, il faudrait qu'il s'embrouille avec quelqu'un, mais il n'y a personne. Vas-y, tu vas me faire ça tout de suite. En était, youpi. Allez, vas-y. Allez! Ok, méchant, embêté. Eh ben il pue, bah tant pis. Il baisse son empathie, hein. S'excuser. S'excuser. Essaye de se calmer. Non, mais il va tomber dans les pommes, ce con! Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Non! Mais tu rentres pas chez toi! Mais putain! Dépêche-toi! Alors. Déjà. Et tu vas insulter. Toi aussi, tu vas être méchant. Allez. On est méchant avec tout le monde, nous, aujourd'hui. Bon, c'est quand tu veux le Sims, là aussi, hein? Ouais, non, bah, non. Allez, vas-y, tombe dans les pommes, tu me saoules. Allez, écris-lui dessus! Oh, j'en peux plus! Eh, c'est l'enfer, ça va jamais se terminer. Il a remonté d'un cran. Attends, 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 on va s'attaquer à quelqu'un d'autre, on s'en fout. Grossière, vas-y. Allez. Parler de la pluie. Tu vas être méchant. Vas-y. Les manières, c'est pas génial non plus, hein. Allez! Insulte-le! Vas-y, excuse-toi. Excuse-toi! Oh là 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 là, mais c'est un enfer, là!
Eh ben non, il préfère ça. J'en ai marre. Faire contrôler un vessie? Ah oh, putain, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Oh, ça y est. C'est elle qui s'est pissée dessus, je m'en fous. Viens pouffer tes bougies. Immédiatement. Mais si, les bougies. Oh, ils tombent tous dans les pommes, je m'en fiche. Moi, je veux finir ce... Quel enfer. Dépêche-toi, Nicolas. Dépêche-toi, Nicolas. N'imaginez pas à quel point là j'en peux plus. Oh non, et le jeu qui plante. Oh my god. Je vous jure, là j'ai vu défiler ma vie devant mes yeux. Par contre, il est devenu invisible. Hein. Il a monté. Il a tellement sauté en fêtant son anniversaire qu'il est monté à l'étage de supérieur. Bon, eh bien, voilà. Ça a été très, très, très compliqué. Très, très long. Mais mon challenge, les enfants parfaits, est enfin fini. J'en peux plus. Allez. Là, on va retourner à la maison. Il n'y a que lui qui est bien. Hein. Vous avez remarqué que, franchement. Maison, on s'en va, on retourne à la baraque. C'est le bordel complet. Et j'ai un connard dans la rue qui klaxonne parce qu'il a que ça à faire dans sa vie. Va dormir. Toi, tu vas te pisser, tu vas te laver et tu vas dormir. Toi, tu vas te laver et tu vas dormir. Toi, tu vas juste dormir. Toi, tu vas manger et dormir. Toi, toi, tu vas aux toilettes, tu vas manger et tu vas dormir. Et toi, hein? Lui, celui qui m'a fait le plus de mal. Oh, lui, il a tout de rouge, quoi. Il n'y a plus rien qui va. Bon, déjà, ils vont aller tous, parce que je sais plus, déjà plus ce que j'ai donné à faire. Lui, il doit y aller la faim, mais rentre. Donc, tu vas cramer. Et dormir aussi, tiens. Hop. Il est parti se coucher direct. Bon, au moins il récupère un peu, hein? Après tout ce qu'il m'a fait subir. Il dort dans la baignoire. Après, tu vas manger. Tu vas dormir. Oh, il était tellement crade, regardez, il a crassé la... Là, ce truc. Et il a tout cassé. Mais si, ça va aller mieux, regarde. Là, tu t'as tout qui redevient vert. Tout, tout, tout redevient vert. Maintenant, il se plaint. Ouais, je suis pas assez divertie. Ouais, tu m'as cassé les couilles, oui. Non, c'est... Non, tu vas... À un moment donné, quand vous dormez, vous faites pas des siestes, hein. Mais qu'est-ce que c'est ces... Putain, j'en ai marre, vos téléphones, là! Oh, la vache! Toi, tu te fous de ma gueule, hein? Je t'ai demandé de prendre une... Non, prendre une douche. En buée, si tu veux, et après, tu vas te coucher. Oh, la vache! Bon, moi, c'est là-dessus que je vais donc vous quitter. Moi, je vais leur laisser gérer leur life après, parce que j'en peux plus. Je les ai assez vus comme ça. Tombé par terre. Et attendez, c'est qui est tombé par terre? Mais c'est Nicolas! Mais Nicolas! Il avait pas assez de force pour aller jusque son lit. Et toi là?
Bah, va manger si tu veux. Voilà, faites votre vie, maintenant vous êtes des grands, hein. Elle vient? Bah non, elle peut pas. Bon, et ben voilà, c'est là-dessus que moi je vais vous quitter pour cet épisode qui était catastrophique et épique. Mais ce putain de challenge est enfin terminé. Et c'est pas plus mal. Tous les enfants ont eu les traits de caractère qu'il fallait. Ils sont tous, en plus d'être bambins, heureux, enfin bon, ils ont eu pas mal de trucs quand même. Mais on peut pas, ils vont pas se plaindre, hein, on va pas. Voilà. Je vous embrasserai fort et je vous dis donc à très bientôt pour un autre let's play. Au revoir les enfants parfaits. Adieu John, adieu tous. Et à bientôt, peut-être, pour autre chose. Allez, salut.